Salut, c'est Maillard. Nous allons tester dans notre labo une nouvelle combinaison qu'on va sobrement intituler Ken le survivant. Il mise entièrement l'effet de surprise sur le endgame, sur la finalité. Ken le survivant, lui, dans la peau de Ace, va tout miser sur l'électricité activée dans les portes de sortie. Alors, avec cette suite de 4 compétences, nous avons la compétence laissée pour mort, celle de Bill, qui consiste à détecter la trappe qui est à 36 mètres, une fois qu'elle soit pas loin, qu'elle soit ouverte, peu importe. C'est à ce moment-là on va pouvoir l'emprunter. Nous avons la compétence Espoir, qui permet, elle, d'avoir une accélération pendant 2 minutes, en fin de partie, d'aller plus vite, de fuir mieux, plus fort. Nous avons également Adrénaline, des fois qu'on soit blessé, des fois qu'on soit dans un état pitoyable. En état critique, on peut se relever, en état blessé, on peut être soigné. Et enfin, nous avons Debout, qui nous permet de détecter l'endroit où se trouvent les portes de sortie et d'ouvrir les portes de sortie beaucoup plus vite. Donc, les voici les 4 compétences. Pour le reste, on se donne rendez-vous ce soir en live pour tester le DLC avec Loni et la survivante. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure et je vous laisse faire vos propres conclusions sur cette ouverture de labo. C'est parti, mon... Pas du tout, Philou. La belle carré. Tu veux dire qu'il a carré le game, c'est ça? Oh. La réponse est oui. Oh, la combinaison! Donc, présente, consiste à tout optimiser pour avoir, virgule, des perks utilisables en endgame. Quand tous les moteurs seront réparés, j'ai l'impression que... Il est là! Fuis! Ah, il a tellement bien rempli son rôle de Ghostface, là. Il a tellement maté la bulle visée de l'autre. Ah, je me casse, là. Je reste. Oh! Au revoir! Le plus loin possible de l'univers, là. Je m'en vais plus loin possible de l'univers. C'est compliqué. Donc j'ai 4 compétences. Une qui m'indique où sont les portes de sortie à la fin. Une qui me booste avec adrénaline. Une qui me donne de la vitesse. Et le dernier, c'est si je suis le dernier survivant, eh bien, je sais où est la trappe. Donc c'est très très compliqué. Salut, salut Kira. Parce qu'il faut arriver à la fin de la game. Et potentiellement être le dernier survivant. Mais le Ghostface, il a bien joué le Ghostface. Hein. C'est-à-dire qu'en premier, j'ai vu directement ce qu'il faisait. Enfin, j'ai vu directement ce qu'il faisait. Heureusement que j'ai su qu'il était là. En faisant attention, mais lui il était penché quoi. Vraiment le mateur-mateur. Hein. Vraiment le stalker-mateur. Il faut être bien attentif. Hein. Sur ce qu'il fait, parce qu'il a une capacité de penchage de tête. Ça me rappelle hein, ma souris. Très triste, hein, très très triste hein, ce que je vais raconter, je vous préviens, ça va convulser dans les chaumières. Ma souris qui avait eu un œdème à l'oreille interne. Ma souris d'ailleurs qui s'appelait Laura. Je pense que petit vrai problème existentiel. Un œdème qui s'est surdéveloppé et qui avait la tête qui penchait comme ça. Ghostface, tu me rappelles tellement des souvenirs douloureux. C'est... Elle est partie. Elle vole parmi les anges. Après, je me dis... Elle avait bouffé les touches de ma télécommande. Hein. C'est... Sans vouloir paraître trop rancunier. Ouais, on s'attache quand même à ces petites bestioles. Hein. Elle avait... capacité, nom de Dieu, de se libérer de sa cage toute seule. Et le matin, je me réveillais et elle était dans mes cheveux, quoi. C'était mais super flippant. Je sais pas comment elle arrivait à ouvrir la cage. Mais pourtant... Merci, sergent. Merci beaucoup pour le raid. Très bien, merci à toi. Mais ouais, mais super triste, quoi. Mais je sais pas comment elle faisait ça. Je n'ai mais
aucune idée. Mais elle réussissait à ouvrir la cage et le matin, c'était super flippant quoi, c'est dans mes cheveux quoi. Oh, pas le temps, on va réparer le moteur, on va bosser. Pas le temps. Viens. Oh non. Ok. Très bien. Je lui donnais des gicotes. Ensuite, tu cuisinais comme un chef. Ça me fait penser au sketch de Golden. Ou c'est pas les gueules, hein. Bref. Avec la... C'est pas Mister MVM. Pas moi. Dans tous les cas, le sketch qui reproduisait ça avec justement... Le gars presque drogué et qui imaginait la séquence. Oh ! Arrête ! Mais non ! Non ! Je me suis fait bambou bloc ! Oh non. J'aurais jamais dû le soigner. Comme s'il fait bambou bloc. Finissez le moteur. J'ai dû faire moi les trois moteurs là. J'en ai fait un là, un là-bas, un là. Les quatre moteurs j'ai fait. Quatre moteurs. Huit moteurs. Allez, va réparer là, on va bosser. Viens, on fait les moteurs. Il est pas là pour se toucher la nouille. Ah, même si dans l'absolu, on kiffe, hein. Non. Non. Trop court pour moi. Finissez un moteur, mon Dieu. Finissez un moteur. Et là, s'il y a Noël à la fin, alors, idéalement, ce qui va se passer, l'autre va partir. Lui va aller réparer le moteur. Il va aller vers les deux autres. Il va aller les courser. Il va leur faire mal. Elle joue en sneaky snake. Elle va venir me sauver. Et là, en endgame, je vais avoir l'adrénaline et la course. Donc on va réparer le moteur. Boum boum boum. Allez, on a le temps. Allez, go. Non, on n'a pas le temps. On a le temps, mais pas trop quand même. Allez, go! Nous, on bosse, nous. Toi, tiens, le seul boulot qu'elle a à faire, l'autre, c'est de tenir. Allez! Non! Mais là, relou, non! Non ! Chaud. Très chaud. Mon gars, non ! Allez ! Finissez le moteur !
C'est votre moment. Allez, 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 en endgame, en endgame. Finissez le moteur. Oui. Allez. Tu ramasses. Non. Oh. C'est qui l'a pris? Non mais... Oh. Mon gars. Je suis désolé, je suis désolé. J'étais mis en bloc. Je suis désolé. Je vais peut-être privilégier l'auto-survie et non pas la mort définitive. Allez, attention. Désolé. Je peux pas, je suis désolé. Oh, ok, très bien. Viens. Oui. Oui, c'est pas très gentil. Oh oui. Yes. Tout misé sur le endgame. Oh.